Les deux sessions offrent aux investisseurs étrangers un examen plus attentif des nouvelles politiques que la Chine mettra en œuvre dans l'année à venir. L'Assemblée populaire nationale a promulgué et révisé deux lois au cours de la dernière année pour aider la Chine à ouvrir et promouvoir le développement de l'investissement étranger. La première est la loi sur l'investissement étranger. Elle a été approuvée en mars 2019 et elle est entrée en vigueur au début de cette année. Elle comprend six chapitres entourant la promotion des investissements, la protection, la gestion et la responsabilité juridique. La deuxième loi est la nouvelle loi sur les valeurs mobilières. Elle a été approuvée à la fin de l'année dernière et est entrée en vigueur en mars. Les révisions ont amélioré les systèmes de base du marché des valeurs mobilières. Elles aident à prévenir et à contrôler les risques du marché et protègent les droits et intérêts légitimes des investisseurs.